Fini l'époque du Lacoste. Aujourd'hui, Kalenji et Kushua occupent une large place dans le style vestimentaire des jeunes. À Frivolon, comme dans de nombreuses cités marseillaises, vestes, polaires, survêtements à l'effigie des marques de Décathlon inondent le pavé. Je porte du Kalenji environ 4 ou 5 fois dans la semaine. C'est la mode, c'est moins cher. Écoutez, c'est les plus jeunes s'inspirent de leurs aînés. Pour ma part, au début, ouais, les grands du quartier, à un moment, ils mettaient beaucoup de Kalenji. Des jeunes du quartier, des rappeurs, Jul, Lakoza. Tariq Shakor est maître de conférences et spécialiste du rap. On lui doit de fines analyses du succès de PNL ou des interventions dans le cercle, l'émission du rappeur Sofiane. C'est depuis que le rappeur Jul a porté cette marque. Je pense qu'il y a un avant et un après. Depuis qu'il a assumé le fait de porter cette marque qui est relativement accessible, alors que d'habitude les rappeurs portent plutôt des griffes, des vêtements griffés, de plus en plus de jeunes se sont mis à porter cette marque par identification vis-à-vis de ce rappeur qui vend des millions de disques. Au décathlon des terrasses du port, Mathias, responsable du Rio Kalenji, s'est redirigé ses nouveaux clients vers la panoplie recherchée. Ça va être l'ensemble où vous avez le pantalon de survêtement à 20€ et la veste. Donc voilà, ce qu'ils ont appelé la Kalenjoule, en fait. Voilà. En général, les jeunes arrivaient et ils étaient ouais, « S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, elle est où la veste Kalenjoule ?» Donc voilà, ça c'est la fameuse Kalenjoule, normalement, qu'on a en 5 coloris différents. C'est vrai qu'on a surfé sur cette nouvelle mode, à savoir que sur la catégorie de produits qui intéresse ces jeunes-là, on est les premiers mondiaux aux terrasses du port. C'est-à-dire que sur les milliers de magasins qu'il y a dans le monde entier, on est vraiment... économiquement parlant, les premiers sur cette famille, donc forcément, nous ça nous plaît, on les accueille les bras ouverts et on joue notamment en termes d'implantation, c'est-à-dire que le jeune qui va arriver ici dans notre magasin, il ne peut pas passer à côté de ces vestes-là. Quoi. 13 blocs, SCH, RK, Kobalade, les rappeurs sont nombreux à mentionner les marques de Décathlon dans leurs chansons ou à les porter dans leurs clous. Quand on voit le CM de Décathlon qui partage une vidéo ou une photo de Jul, du rappeur Eust l'Enfoiré qui est assis sur la chaise de camping en disant qu'on n'avait pas du tout anticipé ce type d'utilisation de nos produits, on voit qu'il y a une compréhension, il y a une proximité, ils se rendent compte de l'impact que peuvent avoir ces rappeurs pour l'appropriation et tout simplement pour la consommation des produits, pour l'achat. J'ai fait des sous et je m'habille à Décathlon. Au-delà du rap, cet effet de mode puiserait ses origines dans l'univers carcéral. Il serait apparu il y a une dizaine d'années dans les prisons. L'influence Quechua Kalenji, c'est venu, je pense, pour ma part, des grands qui étaient en prison. Donc moi, personnellement, il y avait mes collègues, ils achetaient pour leurs frères. Ils habillaient Quechua, ils les mettaient là-bas et tout. Et quand ils sont sortis, je les ai revus avec ces habits. Ça m'a donné envie de, pourquoi pas moi, ces habits. Je me sentais bien dedans. Mais voilà, je continue à en acheter. Samir a passé quelques temps en prison. Là-bas, il a adopté l'attirail du Décathlon avec, entre autres, l'objectif de faire profil bas. Tu as 20 ans, 21 ans, tu es censé ne pas travailler ou toucher le SMIC. Mais que tu arrives, toutes les semaines, tu fais rentrer ton sac de parloir, il y a 1 500€, 2 000€ d'habits. Genre c'est ce que tu feras pas pour pas te faire remarquer. Parce que tu sais que tu as une enquête sur toi, tu es censé ne pas avoir d'argent. Sans oublier, bien sûr, le côté pratique. Parce que demain, je t'ai un survêtement 500€ pour aller en promenade, pour faire 2-3 heures avec plein de terre. Tu vois, je prends mon Kalenji, je prends mon Quechua, je le mets et vas-y, ça arrange tout le monde, c'est pas cher. Et je te mens pas aussi, c'est un vêtement qui tient bien chaud. Les sportifs n'ont plus le monopole chez Décathlon. Les détenus se sont appropriés les marques Kalenji et Quechua, les cités ont suivi le mouvement, certains rappeurs ont démocratisé la tendance. Plus que jamais, Décathlon, c'est la rue. J'ai ma queue, 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 j'ai ma